for the music. Your suffering will be legendary, even in hell. Merci Pined, hein, ce précieux conseil, chaque fois renouvelé. Bonsoir, bonsoir à tous. Partie 2 de l'excellent Evil Within, premier du nom. Ah, Nictaras est là. Je t'exècre et te maudis jusque parce que tu existes. Anorexia nervosa. Très bien, bonsoir Nictaras. Je vois que fidèle à toi-même, tu es en pleine forme. Bon, ce soir, partie 2, hein. Partie 2 de l'excellent, je le répète, premier du nom, Evil Within, en New Game Plus, hein. On va passer directement à ce qui nous intéresse, hein. Je sais que vous êtes impatient. Je le sais. Alors, on retourne exactement là où nous en étions, hein. Sauf que moi, de mon côté, bon, j'ai réussi à comprendre un petit peu comment on craft. Voilà. J'ai fait juste ça. J'ai crafté 2-3 munitions, histoire qu'on soit pas tout nu. L'idée... Qu'est-ce qu'il me raconte encore, une saloperie, là, Nictaras? En vrai, je suis bien claqué. J'espère aller jusqu'au bout de la session sans tomber des paupières. Ah, bah, d'accord. Faiblard, Nictaras, faiblard. À l'image de notre monde. Et oh, non, 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 faut pas que ça saute. Putain, mais... Bon, bah, ça commence bien. Ah, et un début de VOD comme vous les aimez. Qu'est-ce que je racontais? Oui, je disais que tu fais blard à l'image de notre société. Mais non, mais je te comprends, tu fais un métier qui nécessite de la guibole, hein? Et qui nécessite... Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord. Tout de suite là comme ça? Je suis pas prêt moi madame. On peut se servir d'éléments? Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, mais ils sont partout. Putain, pourquoi j'ai pas tiré? Ça commence bien, ça commence bien. Alors est-ce que ça va marcher? Alors j'ai voulu en cramer plusieurs. Oh, c'est un début laborieux, hein. Alors j'ai voulu faire le malin et puis ça a pas marché. J'ai voulu me le faire et ils viennent dans la gadoue ou pas? Oui. Putain, mais quel con, en plus je le loupe au sniper, mais quel début catastrophique. Ça fait quoi? Ah, ça peut être bien. Si on voit ce que ça fait. Ouais, d'accord. Ah si, quand même. Pas fier là. Là je suis pas fier. C'était vraiment un combat là dégueulasse, hein. Ça cénobite grave dans la matière. J'aime leur guenille. Autant mieux. Bon là c'était pas terrible. Mal joué, là. J'ai voulu faire le malin. J'ai voulu cramer. J'ai voulu foncer en fait pour cramer un cadavre pour que ça en crame plusieurs, même ceux qui étaient debout. Échec total. On va ramasser ça. Bon, les petites pièces mécaniques, hein, voilà. Oh mais... Ça me fait peur. Oh mais c'est pas vrai. On sait à croire que je le fais exprès. On dirait que je le fais exprès pour que les gens pensent que je suis un con. Pour que les gens pensent que je suis un gros con. J'ai même plus de soins. Bon d'accord. Donc oui, alors on peut se fabriquer des choses. Hier Nictaras, je t'ai dit oui, on peut crafter. Alors là, vous voyez, j'ai 6, vous voyez en bleu en bas à droite, j'ai 6 pièces métalliques. Salut Léa, bienvenue Léa, t'arrives pile au moment où j'explique. Très bien, comme ça je vais l'expliquer d'une façon très pédagogique. On a 6 pièces mécaniques et il nous en faut 2 pour fabriquer des carreaux. Alors ça dépend des carreaux, le carreau explosif c'est 3. Le carreau électrique, c'est 4. Le carreau de la neige, c'est 5. Celui-là, il est déjà plein. Mais c'est le carreau pour flasher les yeux, pour qu'il soit aveuglé. Et celui-ci, c'est juste 2. Moi, je l'aime bien, celui-là.
Donc on va faire celui-là. Voilà, c'est le harpon. Moi, c'est mon préféré. Parce qu'il est simple, mais il est efficace. Je sais pas, j'aime bien. Voilà, c'est tout. Salut les zigounettes. Ouais, pareil que Nicta, je suis un peu cassé aujourd'hui. Du coup, à 23h, max, je disparais. Moi, je me faisais une joie. Toute la journée, j'attends ce moment. Hein. C'est ma seule récompense. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. C'est le seul moment où j'ai un peu d'affection dans la journée. C'est le seul moment où je me sens être quelqu'un. Que je suis pas humilié par la vie. Et vous, vous partez. J'en dirai pas plus. Hé, hey, hola. On avait dit plus jamais ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je dégage. Oui, oui, voilà, c'est ça. Je vous ai mis les sous-titres pour que vous soyez plus à l'aise. Je peux pas dégager. Oh là là, le pot que j'ai eu. J'ai été pile au bon moment, au bon endroit. Oh, ma zette. Allez, allez, allez. Putain, mais je suis complètement con. Comment on va faire? Déjà, je rallume ma loupiote. Comment on va passer, là? Vous pensez qu'on peut y aller à l'arrache? Donne-lui un Oscar, mais comment veux-tu? C'est bon. Il fait plus peur qu'autre chose. C'est un peu tiré de ring, ça. Hein. Ah oui, donnez-lui un Oscar pour ma prestation. Oh, j'ai perdu mon froc, j'ai perdu mon t-shirt, j'ai tout perdu là. Ah bah ça va, ouais. Ça vous fait rire évidemment. Mes malheurs vous font rire. Pas surpris. Allez, on n'a pas peur, on ramasse quand même les petites choses. Ça vous a fait rire ça. Souffle un coup Romain, allez, oui. T'as raison. Un peu stressé ce soir. J'aurais dû prendre mes pilules. J'y ai pas pensé. Non mais là, ça va se passer crème. Qu'est-ce que tu me veux? Il va pas m'avoir là. Allez, 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 allez. Oh putain, c'est la tension maximale. Lui, je le crame, hein, j'ai pas confiance. Crouch. Ouais. Je l'ai fait, je l'ai fait. Tout le monde a vu que je l'avais fait. Tout le monde a vu que c'était bien vu. Tu peux pas, genre, slider? Non, malheureusement, je peux pas slider. Qu'est-ce qu'il y a? Il se repointe. Mais non, mais... Oh bah non. Pas le premier soir, on avait dit... Ah là 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 là. Mais vous avez vu là que ça a popé quand même. On est d'accord. Hein? Le chien, toi t'es d'accord? C'est injuste là. Complètement injuste ce début de partie là. Ah mon dieu, puis les gens vont regarder ça sur internet. Hein, ça... Ah mais ils nous remettent là en plus. Ah bah d'accord. Alors toutes mes excuses. Hein. Pas fait exprès. Je vais essayer de me rattraper. Je me crouche vite, vite, vite. Alors déjà, ça c'est très con parce que j'ai perdu du temps. Je me suis trompé de gâchette. Qu'est-ce que tu... Non mais je sais qu'elle arrive. Me stresse pas plus. J'ai le casque à fond là, je suis bien. Lui, je suis pas sûr que j'ai besoin de le cramer. Hein. Bon, faut que je sois au taquet, hein. Là, elle peut m'avoir. Je peux pas me soigner en plus. C'est pour ça qu'elle me tue en un coup. Mais j'ai pas de la vie. J'en ai pas, justement, Nictaras. Mon pauvre ami, mon pauvre ami. T'as un suivi, là. Un suivi.
On est dans la merde. Vite, 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 vite. C'est possible. Tout est possible. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je ne crois pas. Ça vous plaît? Oh. C'est moi qui l'ai fait. J'ai tout sauf de la vie. Malheureusement. F5. On va retrouver, on va retrouver. C'est pas un jeu facile, facile. Les gens se moquent. Oula, 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 quoi? Bah non. Je crois qu'il faut le gérer en l'esquivant, lui, hein. J'ai souvenir. Si mon souvenir est bon. On va monter jusqu'où, là, monsieur Assassin's Creed? Ah, c'est bon, il va disparaître. Allez. Quoi, quoi? Il y a quand même une sacrée mise en scène. Nick Taras, toi qui en doutais au départ, hein. Regarde-moi ça, par exemple. Ça, c'est un bon exemple. Alors. Hein. C'est pas une leçon, ça, de mise en scène? Jamais douté de la mise en scène, c'est vraiment hollywoodien à la Uncharted. Et pour la peine, sauvegarde. On apprendra à dire des bêtises, comme ça on perd un peu de temps. Uncharted. Parce qu'il court et qu'il saute. Alors Super Mario, c'est à l'Uncharted. Je ne répondrai pas. J'ai envie de me fâcher avec vous ce soir. Quelqu'un tient vraiment à m'hospitaliser. Petit coup de botte. Alors j'adore ces caisses où il n'y a rien dedans. Hein. Il y a une balle. Bon là déjà c'est mieux hein, parce que le carreau explosif on aime bien. Mais non mais t'es pas encore laissé happer par l'histoire. Nécessaire, mon cul oui. Voilà, Nathan Drake qui dit mon cul oui. Évidemment que non. Il n'est pas vulgaire. Voir pas tout de suite. On va sauvegarder un peu les couilles. On va se bioniser un peu tout ça. Je ne vous avais pas vu depuis longtemps. Elle est où la nurse? Ah bonjour madame, bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai encore quelque chose à signer? Oh mais j'ai déjà fait ça. Ça change quoi? Pas sûr que ça serve à grand chose hein. Va peut-être me parler maintenant. Ah oh non, c'était juste au cas où je l'aurais pas fait juste avant. Bon. Il veut pas? Allez, allez, allez. Uncharted, c'est quoi Indiana Jones pour les petits? C'est du mépris. Tu es un être aigri et méprisant. Mais je suis pas loin de penser comme toi. Je suis pas loin de penser comme toi. Par contre, t'avais raison. Aptitude, ça serait bien qu'on se rajoute de... Pas de l'efficacité de cette seringue, mais du sprint. On a que 5500, on peut faire que dalle, là. Hein. On est d'accord. Ah, munitions pour Magnum, moi je veux plus, hein. Oui, voilà, c'est bon. Maintenant on peut plus rien faire, hein. Allez hop, on se casse. C'est juste une question, j'ai jamais joué qu'à la démo d'Uncharted, j'ai une culture vidéoludique assez faible. Si seulement ce n'était que dans la culture vidéoludique. Ah, je suis pas aidé. Et du coup, bah, on s'en va. Bon, bah, au revoir. Au revoir, madame. Merci. J'espère que la prochaine fois, vous me referez les piqûres ingrates. Ah, t'as bien aimé la démo, quand même. Qu'est-ce qui est marqué? He's watching, we can't leave. Il nous surveille, on ne peut pas partir. Je traduis hein, pour les français non anglophones. Chapitre 5, abîme intérieur. Ça se passe mal ici, madame?
On peut la brûler. Bien nécessaire. Vous entendez là? J'ai entendu moi. Est-ce qu'on peut le backstab? Mais pourquoi je cours? Mais je suis... Bon, je vais pas vous refaire le coup de qu'est-ce que c'est que cette matière à chaque fois, ça va être le festival. Oh, ça tout saute. Faut appeler le professeur Raoult. Oh. Ah, pas mal. Tu fais avoir là. C'est un véritable quoi? Je me souviens plus ce que ça veut dire, lupanar. Ah, j'ai oublié quelque chose? Ah bah non, je suis plein. Je suis plein d'allumettes. Vous vous rendez compte, il a plus de place pour mettre des allumettes. Ah, les aléas du jeu vidéo. J'aime bien. Et je suis en train de viser. Ah oui, j'ai que 2 balles. Je crois que j'étais... On avait 0. Ah, un bordel, une garçonnière. D'accord, très bien. Merci. Donc du coup, ça voulait dire quoi? Mais c'est dans le verre lupanar. Ah. Oui. On lui dira. Bon, mais là j'ai pas cherché à comprendre. Oh mais il est pas mort, mais ça pop et ça dépop, je suis pas fou. Ça fait déjà la 2e fois que ça nous le fait ça hein. Ouais, tu viens de me copier ça sur Wikipédia. Mais vous avez vu que... Et c'est pas moi qui délire. On va pas le... Non, mais il disparaît, c'est... Il repop, là. C'est quoi? Il nous faut une vision d'aigle? On les voit. On voit ses pas dans le sang. Je suis pas fou. Voilà. C'est normal ça, j'ai pas du tout souvenir de ça. Tu crois que c'est l'encapuchonné? Possible. C'est possible. Il y a une petite bouteille à prendre. Il va falloir que je descende. Je regarde vite fait s'il y a quelque chose à ramasser, mais j'y crois pas. Allez, on descend. Hein. Bon, peut-être pas comme ça. Par contre, on a plus de vie, on a rien. Je suis en New Game Plus, c'est la honte. Hein. Ça me demandait comment je vais pour le finir. J'suis en train de douter de moi-même, là. Est-ce que c'était le même Romain Martin? Il y a encore quelque chose, là. Il y a un bébé aussi, j'ai vu. On pourrait mettre un peu de lumière. Bon, faut le casser, ça, alors. Voilà. Ah ben non, on a les poches pleines d'allumettes. Bien sûr, on peut plus en prendre une seule. Je vous ai mis un tout petit peu plus de luminosité. Je me suis dit que vous méritiez. Ok. Il me faut une clé magnétique. Clé magnétique. Et mais encore. Oui, donc c'est normal en fait. Tout à fait normal que ça glitch. Qu'est-ce qu'elle nous dit Léa? Bah les gars, on a fait une chute de 10 étages tout à l'heure et il a peur de ce petit trou. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, il est comme une poupée dans un monde horrifique. C'est pas lui qui gère la gravité, tu comprends? Je crois que c'est ça moi qu'il faut. C'est plus ça qu'il faut voir. J'ai envie de dire. Bon. Mais je suis. C'est possible d'être con comme ça? Je le loupe à chaque fois. Il me reste une balle au moins. Il est même pas mort.
Les éléments du décor me disent où il se trouve. Hein. Allez, bouge un truc. Petit coquin. Putain. Ah, j'ai pas le pot. Hein. Oh, il m'a tué carrément. Mais je suis jamais autant mort. Je commence à douter un peu de tout. J'espère que vous allez me soutenir. Je commence à douter là. Il me reste une balle. Si je me carre bien. Attends, ils nous remettent là. Les safes sont un peu bâtards, hein, j'ai remarqué. Hein. Voilà. Bon, je le crame lui. Pas de ma faute, mais il a été trop loin. Qu'est-ce qu'on a comme arme? Voilà, on va se prendre un pieu là. Enfin, une. Ça va être plus simple. Ah bah j'ai loupé ça tout à l'heure. Pas très bien. Moi j'adore le fusil à pompe. Alors évidemment on peut pas sauter par-dessus les lits. Pas grave. Pardon. Non, j'ai pas envie d'utiliser une explosive parce qu'il mérite pas. Je l'ai loupé évidemment. Voilà. Ce qui est bien, c'est que le. Vous allez vite comprendre. Vous voyez le truc bleu là, bah, il s'arrête. Ça me donne une indication. Bon, je le brûle, hein. J'ai pas de vie. Avant qu'il revienne. Ok. Mais encore. Je suis arrivé là, alors est-ce que je suis complètement aveugle? Oui, voilà. Ça, c'est toujours cette grosse télé. Hein. C'est les inconvénients d'être un bourgeois et d'avoir une télé immense, c'est qu'on voit rien. Oh, moi, je les envie, les gens qui ont une toute petite télé, ils voient tout. Ah, on va pouvoir se soigner. Quand même. Petite picose. Lui se réveillera pur. Par contre, on a la carte. Carte magnétique de l'hôpital. Cette carte magnétique appartenait à un membre du personnel de l'hôpital. Elle semble tachée de son sang. C'est sur le retour que ça va se corser. Je le sais. La taille de la télé s'arrête à la taille du mur. Mais là, vu que je suis assez près, c'est vrai que ça fait une sacrée diagonale. Il y a des trucs que c'est tellement évident en face de moi, je vois pas. À chaque fois, il repasse sur ce carreau explosif. C'est un petit peu agaçant. Je vais pas demandé. Regardez, on fait un test. Là, je repasse sur mon flingue. Là, je repasse sur le truc. Ah non, voilà. Là, je suis bon. Ok. Je viens de comprendre au niveau des symboles. Oui, forcément, il va y avoir encore de la bagarre. Il est rentré là, il y en a un qui est rentré, vous pensez? Évidemment. Oh putain, mais. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, hein. Mais. C'est dégueulasse, là, je voulais le cramer. J'ai un temps de retard avec les inputs ou quoi, là? J'ai pas envie de commencer une VOD où je me plains, mais. Je connais, quoi. Je m'aime pas. Pas mon t-shirt and slept. Je me souvenais plus du tout de ces personnages qui apparaissent comme ça. J'espère que c'est une excellente idée qu'ils ont gardée juste pour ce passage. Bon, du shotgun, j'ai 3 balles chargées. Je vous ai dit que j'aimais bien le shotgun. Parce que j'adore.
C'est mon arme favorite dans tous les jeux. Ça a l'air d'être fini, la musique s'est un petit peu calmée là. Alors lui, je sais plus hein. Je sais plus ce qu'il nous veut, je sais plus ce qu'il veut. Je sais plus pourquoi. C'est des balles de quoi qu'on ramasse à chaque fois? C'est des balles de flingue, hein. C'est pas les balles de magnum. On va le suivre. Au niveau de l'histoire, on a eu peu d'éléments quand même. Hein. Enfin, je m'en souviens un petit peu, mais bon, j'ai envie de spoiler. Ok. Petit trou là. Bonsoir. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit, hein. Un fauteuil roulant, il y a un crâne, enfin il y a un... Pas un crâne, il y a un cerveau. J'aime beaucoup, hein. Au mur, là, t'as ça chez toi, c'est la classe. Hein. Alors, c'est quoi la différence? Là, il y en a 4. Et là, il y en a 5. J'appuie sur rien. Quel est l'indice? Et bah là, regardez, là, il y en a que 4. Ça doit être ça. Oui. Je pense. Je pense que c'est bon, là. Ah oui, vous êtes fatigué, vous m'écrivez plus rien. Qu'est-ce que t'as fait toi Léa aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé vous? Quel est votre terrible secret à vous deux là, la journée? Qu'est-ce que vous faites pour être fatigué à 9h30? Hein? Normal ça. Alors là, il y en a un qui regarde, il y a un cerveau, il y a un cœur, ok? Des petites énigmes. Vous m'avez dit que vous aimiez les énigmes, vous devriez être content là. On est bien là. Énigmes. Alors, une fleur ou une fleur fanée? Une fleur. On est plutôt fleur, monsieur, pas fleur fanée. Ok, pour l'instant c'est une affaire qui roule, hein, vous connaissez. Bon, ça on a déjà fait. On peut casser les petites caisses là, ça me plairait bien. Ah merci. Bon là il y a encore du... Aujourd'hui j'ai fait une mini rando. Bon, c'est pas vrai, hein, elle l'a pas fait mais... On va dire oui. Ah bon? Et où as-tu été? Donc là, ça travaille là. T'as été à Bavoila. Oui, je vous avais dit que c'était pas vrai. Même le nom, t'aurais pu choisir un nom qui faisait un petit peu plus crédible. C'est bien que ça n'existe pas, Bavoila. Pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Un génome ou un génome avec une queue? Avec une queue. Bon, c'est de la petite énigme sympathique. Hein. C'est hydrate queue ou blond, j'avais pas vu. Ah, si tu t'hydrates queue ou blond, je peux comprendre que le soir tu es un petit peu fatigué. Je t'en veux pas. Allez, on continue. Bon, là, on a relié quand même beaucoup de choses. On peut faire quelque chose maintenant. Bon, c'est passé relativement vite là. Hein. J'ai failli mettre Valérie Le Mercier. On attendra un peu, c'est pas non plus.
pas non plus exceptionnel. Bah voilà, City, ouais. Joseph. Oui, ton copain. Je savais que t'allais être content. Ok, ça a l'air d'aller. Je sais pas si ça va. Mais je suis loin d'être en forme. Bah comme Nick Taras. C'est toi qui m'as amené ici. Il faut qu'on sorte d'ici. Ça ira. Ouais, je... Non. Joseph. Bon, Joseph a l'air mal en point. Hein. Alors, je l'ai soigné. Maintenir, soigner l'allié note. Ne consomme pas l'objet. Allez, Joseph, on va te soigner, t'inquiète. Bon, Joseph, il était dans une baignoire. Ils l'ont bien lavé. Maintenant que t'es bien propre, Joseph, tu viens avec nous. Alors fais gaffe, il y a des gens qui sont un petit peu invisibles. Bon, tout de suite. Tu fais pipi dessus, Joseph? Ah, il nous dit qu'il faut aller par là. Hein. Il est déjà au taquet, Joseph. Hein. Il va me plaire. Bon, allez, on va utiliser la tache d'huile. Hein? On va pas être con. Venez. Voilà, c'est du bien joué ça. Ils vont tous vous cramer là? Oui. J'ai eu le temps de recharger même. Ah, il m'aide Joseph quand même, hein. Ah, c'était pas mal là. C'est bien vu, non? C'est moi qui l'ai fait. Même si c'était téléphoné, évidemment. Gilet jaune. Alors cette fois je fais pas l'erreur, je recharge mon sniper avant d'en avoir besoin. On va penser à recharger. On va jouer de mieux en mieux. De toute façon c'est une fatalité. Hein. Vous savez ce que c'est les jeux. Hein. Au début, hein, bon. Patouille. Ouais. Après ça glisse. Non, ils ont pas suivi bêtement. C'était mon plan qui était un petit peu impeccable. Là, il y a forcément un truc à ramasser. Tout de suite, hein, on te montre du beau gameplay. Ah merde. Bien, Joseph, tu peux pas t'en occuper là? Un petit peu au lieu de te mettre devant moi quand je tire dessus. Eh oh! Il est drôlement habile. Merci, Joseph. On va se remettre un coup de santé. Pour être full vie. Ah bah regardez comment il est mort. Sa mère serait ravie. De toute façon je sais bien que Nick Taras va dénigrer tout ce que je fais. Ça, j'en ai conscience. Faut que les gens qui lisent le chat en soient avertis. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde! De toute façon, vous y échapperez pas. Hein. De temps en temps, j'en abuserai. Et encore, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu pour le plaisir. Qu'est-ce? Quelque chose de sophistiqué. Pourquoi poser une bombe comme ça? T'as un moyen de t'en débarrasser? Recule. Je vais tenter de la désamorcer. D'accord, Joseph. Ça a l'air d'être le cerveau, un peu, Joseph. Donc on va l'écouter. J'ai reculé assez là, Joseph? Dis-moi, hein. Je peux reculer encore. Il est drôlement habile, Joseph. Tiens, je vais te soigner, Joseph, pour la peine. Ah,
Mais c'est quoi ce bruit? Je croyais que c'était électronique. Joseph, on se connaît à peine, on se connaît tellement bien. Ça fait comme avec le conducteur dans la voiture, vous vous souvenez? Allez, reprends-toi, s'il te plaît. Les gens qui nous regardent. Joseph, après Conley, j'ai cru que... Je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Je me sentais pas très bien, mais... Ça va mieux, là. Ça va, il saigne juste un petit peu du pif. Écoute, on doit sortir de là. C'est pas normal ce qui se passe ici. Ouais. Oui, ça c'est une bonne déduction, monsieur l'inspecteur. C'est pas normal ce qui se passe ici. Allez, prendre l'échelle. J'ouvre le passage, Joseph. J'espère que tu me suis. Attendez, on regarde. Joseph ? Je préfère garder mon cul de plus haut. Il doit être l'inverse de presbyte. Je sais plus comment on dit. Astigmate. Joseph ? Il me suit pas. Hein. Il va popper là derrière moi. Fais sa vie, moi je vais me faire la mienne. Hein. Mets un masque, Joseph, bordel, et tous dans ton coude. Il a été voir le professeur Raoul, s'il n'a pas besoin. Il a eu une pommade. Il a déjà eu la pommade du professeur Raoul. Ah, très bien, on a retrouvé des petits. On a plus beaucoup de temps. Bon, il y a un point de contrôle ici. Je sens que ça va être la baise. Pardon, ça va être coquin. Kidman! Faites-moi sortir de là! Attends une seconde. C'est encore un piège. Regarde. Ah, j'avais pas vu. J'ai pas vu qu'il y avait d'autres munitions. Il est bien plus élaboré. Difficile de se rendre compte quand c'est des cinématiques ou des transitions. Bon, Kidman, on arrive, hein. C'est déjà réglé. Joseph, est-ce que ça va? Ouais, ça va. Tu ferais mieux de rappliquer. Oui, j'arrive. Tiens bon, j'arrive. Merde, je me manie. Ah, excusez-moi madame, mais là c'était, j'étais obligé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tiens, déjà je vais le saut. Comment on arrête ce processus infernal? Faut juste les tuer là pour l'instant. Oula, là, attendez, je suis pas prêt les enfants. Merde. Bon, en tout cas ça a été efficace. Ces horreurs. Voilà, c'est bon là. Ah là, ça c'est du bien joué. Vous direz ce que vous voudrez, mais là, je suis un peu content de moi. Merde, mais je suis trop con. Fallait le cramer. Attention, ils ont des explosifs. Hein, quoi? Je m'intéresse pas trop à ce qui se passe, j'ai envie de ramasser, j'ai envie de tout looter. Dépêchez-vous! Mais dépêchez-vous de quoi? Il faut faire quoi, madame? Sébastien, ils sont au-dessus! Ouais, c'est pas du bien jouer ça. Il tire! Couvre-moi. Oh, ils sont où là? Oula, non. Merde, mais moi je veux mon flingue.
On est déjà venu là? Bon bah c'est bon. J'ai l'impression qu'il faut faire un truc pour avec la nana mais je sais pas quoi. Attention, ils ont des explosifs. Et où ça? Mais merde, prends ton flingue coquin. Ça va exploser là. Dépêchez-vous. Faire là, c'est cloisonné, enfin c'est fermé. Oui d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y en a d'autres qui rappliquent. C'est pas les héros, recule. C'est vous. Merde, j'ai plus de flingue. Putain. Regardez la technique. On les crame tous là. Bon, c'est chaud chaud hein. Attention, ils ont des explosifs. J'ai tiré pile dans le dans la main. Et mais putain, et là je me soigne. Kidman a besoin d'aide. On a réussi, bordel de merde. Vache, c'était juste. Ça vous plaît? Oh, non, c'est moi fallait, qui l'ai fait. Faire les vagues. Viens jeter un coup d'œil à ce truc. Oui, oui, j'arrive. J'arrive pas à l'ouvrir. Je crois qu'il y a un autre panneau de commande par ici. Où ça? On n'a plus beaucoup de temps. Où il va ce tuyau? J'y vais. Dis-moi ce que je dois. Ok, ok, ok. Je me dépêche, j'ai pas envie de tout refaire, hein. Je vous le dis tout de suite. Ah, évidemment, je dis ça, puis je ramasse tout. Plus de munitions. Quel con. Mon dieu. Alors, quand vous dites que c'est un peu, que c'est trop action, vous exagérez. Je crois qu'il y a un autre panneau de commande par ici. Allez, laisse-moi me baisser là. Ça doit être par là. Goodman est en danger. Oui, oui, j'ai bien vu qu'elle est en danger. C'est le même type de cadran, non? Ouais, un en haut et un en bas. Règle celui du haut sur 22 et celui du bas sur 5. 21. 22 en haut et 5 en bas. Eh ben, alors on est sur 22. Ah non, c'est là. Je suis con. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh mon dieu, mais les enfants. Ouais, pardon, j'ai mis 23. Petite erreur. Petite erreur. Joseph, Kidman! Pas le temps de fumer, on a le temps de rien. Ils sont ils ont disparu. Hein. Hop là. Bon, ça s'est relativement bien passé quand même. Il y a eu du beau gameplay là. Léa, tu peux pas dire le contraire. Ah, j'aurais peut-être dû looter 2-3 trucs hein, avant. Je pense que j'avais tout ramassé. Où ils sont? Où sont Kidman et Joseph? Parce qu'on va essayer d'être dans le jeu, de savoir ce qu'on dit. Kidman, Joseph?
Voilà. C'était une belle vague. A beautiful wave. Un jour, j'aimerais bien viser. Bien. Vite. Et là, on les brûle. Vous voyez, cette mécanique de gameplay me plaît beaucoup, moi. Ouh là 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 là. On va se refaire des carreaux. Je peux m'en faire qu'un. Pas beaucoup. Vous avez vu, c'était efficace, les explosifs. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On passe par... Ah là là, c'est un truc à looter, ça. Voilà. Évidemment, mais on casse les caisses. C'était écrit. Ouais, pas mal, hein, c'est tout. On reconnaît bien les filles. En réalité, tombe d'admiration. Et puis, c'est... À mi-mot, ça dit bravo. Joseph! Attendez, Joseph, d'accord, mais on se refait un... Voilà. Comme ça, j'en ai deux, je me sens plus à l'aise. Joseph? Je regarde un petit peu autour de moi, hein. M'en veuillez pas. Les mâles, vous êtes là? Dites-moi si vous préférez que les sous-titres, sinon je peux les enlever, hein. Je crois qu'on me les avait demandé, hein. Oui, parce qu'on appelle tout le temps Joseph, mais il y a Kidman aussi. Ah. On sait jamais ceux qui vont se lever et puis ceux qui vont pas se lever. Bon, lui, eux vont pas, vont plus se lever, vont plus jamais se lever. Ah. J'ai envie de mourir, moi. Ah non, on peut descendre, c'est bon. Allez. Soyons courageux. Belle roulade. Tenez bon. Sébastien. Allez, mais... Ça, c'est agaçant, hein, quand même. Bon, de temps en temps, vous m'aidez, les autres? Ah, c'est un gros, là. Et elle va peut-être me le tuer. La munition. Merde. Ah, mais je l'ai loupé, j'ai... Ah, là, là, je l'ai pas loupé, là. Allez, on va le faire cramer. Bravo. C'était propre. Vous n'êtes pas blessé? On va bien. Quelques bleus, mais ça va. Allô, Kidman? Ah, elle est là. Moi, j'aurais aimé une VOST. Bah oui, mais c'est moins drôle. Si vous voulez, on peut le faire, hein. Je les soigne. Qu'est-ce qu'il fait? Prends des notes? Mais Joseph, que tu prends des notes de quoi? Le mur est dégueulasse. Le mur est dégueulasse aujourd'hui. Si vous n'étiez pas venu. Oui? Bah quoi? Bah pousse. Ah, La porte semble verrouillée par l'autre côté. Sébastien, peut-être qu'on peut la soulever pour que Kidman passe en dessous et l'ouvre de l'autre côté. On compte sur vous. Ça marche. Voilà. Allez, Kidman, on vient de te dire le plan et... Et elle y va pas, elle nous regarde. Ah, c'est bien les gonzesses. Bon, et nous, pendant ce temps-là. Moi, j'aurais été Kidman, je...
serait peut-être pour aller tout de suite. Ah oui, c'était juste ça. Oh là là. Allons-y. Tout ça pour ça. Et j'ai plus de munitions, j'ai plus rien. Vous comprenez que c'est du survival horror là maintenant. On a plus rien quoi. Je suis en New Game Plus. Comment j'ai fait la première partie pour me démerder. Qu'est-ce qu'on peut se fabriquer? Non mais j'ai rien du tout. Tu commences à me faire... Bon évidemment j'ai le bazooka mais bon on va pas l'utiliser. Là, c'est vraiment... Pas déconner quoi. Non on peut se faire que des carreaux de mon cul quoi. Content de vous voir en un seul morceau. C'est bizarre. Putain, il m'a fait des trucs éclairants, j'en ai rien à foutre des trucs éclairants. Peut-être que je ne suis pas une menace pour lui. Lui ? Oui, une prochaine fois, le balance des canettes. Et Kidman, Joseph ! Oh. C'est Ring encore. Encore une porte avec ce symbole. Moi je trouve que le fait de jouer avec le sous-titre ça enlève de l'immersion du fait que ce soit en français. Donc c'est vrai que ça serait bien peut-être de se passer en anglais, mais en anglais ça va être beaucoup moins drôle. Moi j'ai pas le temps de lire en fait, c'est ça. Et mon niveau d'anglais, bon ça va, il est pas trop mal, mais bon. C'est pas trop ça. Est-ce que je descends tout de suite? Y a pas autre chose? Bah évidemment qu'il y avait autre chose. Ça pourrait être une bonne idée pour les... Parce qu'ils vont se réveiller, eux, vous le savez. Allez, je crame. On peut pas le savoir. Et on prend les trucs pour pouvoir se faire des munitions. Je sais pas si c'était la bonne technique, mais c'est la mienne. J'ai que des trucs éclairants de merde. Je le crame lui hein. C'est pas, on sait jamais. On peut pas les backstab. Oh. Il y a eu un piège que j'ai évité, je ne sais par quelle malice. Bon, ça, on va l'utiliser. Hein. J'ai rien compris, là. Je peux me fabriquer un truc, là, vite fait. Sur le pouce. Plus de grenade. Ah si, j'ai une grenade. On va mettre en haut. J'ai une grenade. J'ai même plus une balle. Ah si. On a peut-être dû descendre. Ça peut toujours servir évidemment. Et... J'ai eu peur. Ah c'est fermé. C'est ce qu'il fallait faire, fallait la cramer, elle a peur du feu. Le feu, ça a l'air de marcher. Ok. Et du coup, j'ai oublié de prendre un truc ici. Oh, dis donc. On varie. On a mis un petit piaf. Pour surprendre Romain. Accrochez-vous, hein, vous êtes au courant. J'ai deux balles. Là, on n'est pas bien. Hein. On peut rien faire. On peut faire que des carreaux. En plus, j'ai été trop con. J'ai mis des carreaux aveuglants alors que ça sert à que dalle. Ça peut exploser, non?
J'ai une grenade. Elle est où? Merde, mais quel con! Me demandez pas ce que je fais. Hein. Ouais, t'as raison. Merde, j'ai pas été assez rapide. Il y avait un truc à prendre. Je peux lui en mettre un coup. C'est trop con de redescendre. Faut que je la crame un paquet de fois. J'attends que... Mais merde, non mais... Non, mais non, c'est dégueulasse. Non, je peux pas la bloquer sous les grilles, il faut que je la crame un certain nombre de fois. Mais attendez, je suis dans un mode difficile là, c'est quoi? Pourquoi me tue en un coup? J'étais full vie quasiment. En plus, je m'étais bien démerdé. Non, je peux pas la tuer en un coup. Il faut que je... Bah déjà, je me remets du soin. Elle me tue en un coup. C'est toujours un petit peu agaçant quand on se débrouille pas trop mal. Et que le jeu, bah, il a décidé de te punir. Bon, ça explose, ça. On n'est pas complètement fou. Elle va arriver d'où? Il y a un trigger, mais je sais pas où il est. Peut-être qu'il faut pas qu'elle nous touche tout de suite, enfin du tout quoi. Bon bah attendez là, elle est où? Bien gentil. Il y a un truc à ramasser là. Et je l'avais déjà en main. Vous êtes où, Madame Ring? Je vais l'attendre et puis je vais actionner le truc. Allez! C'est pas mal. Pourquoi il met pas un coup de torche? Elle est horrible, hein. Elle est horrible, elle crie trop, hein. Je sais. Merde, ça marche plus. C'est cassé. On peut pas les utiliser plusieurs fois. Je ferais bien exploser le bidon là.
Elle est où cette coquine? Mais merde, putain, non mais j'espère que je vais pas crever là. Putain mais c'est pas vrai, allez ça me gonfle. Mais quand tu descends les escaliers, tu peux pas les lâcher pour gagner du temps? Non. J'ai essayé, ah si. Si, avec le rond, il lâche complètement par contre. Non mais on meurt, en fait on meurt du... C'est fait pour que quand elle nous attrape, on meurt quoi, voilà. Mais c'est énervant. C'est super agaçant. J'ai l'impression que je suis dans un mode de difficulté supérieur. Pas souvenir d'avoir galéré avec elle. Mon dieu. Ah c'est pas simple hein. On se pue avoir, elle va arriver là. En plus faut un paquet de fois là. Ouais t'as raison, je vais lâcher les escaliers. Voilà, merci Léa. Je suis même pas sûr qu'on l'a eu là. Bon ça le bidon ça fait que dalle hein, je suis désolé. Coup de... Putain mais c'est pas vrai, je voulais lui mettre un coup de torche mais comme il est dans les escaliers, ce con il met un coup de pied. Ah là là, c'est qu'un jeu vidéo. C'est qu'un jeu vidéo Romain. Ça va bien se passer. Je voulais lui mettre un coup de torche, ça fait trois fois qu'on lui met un coup de torche, ça se passe très très bien. Et là... il lui met un coup de pied parce qu'il est dans les escaliers. Putain mais c'est quoi ce gameplay approximatif de... De toute façon ça sert à rien que je me mette de la vie puisqu'elle me tue en un coup. Ah je suis désolé pour cette prestation hein. J'en suis le premier désolé. Et ça sert à quoi alors? C'est inflammable de rien du tout. Inflammable de rien du tout. Commence hein. On va y arriver. Attends qu'elle se réincarne là-dedans. Mais merde, non, mais ça c'est dégueulasse, putain, mais elle me chope. Bon, j'ai compris. J'ai compris. Faut absolument pas être à côté d'elle. Mais là, c'est dégueulasse, j'étais en train de cramer. Elle devrait cramer avec le corps. Enfin, là, la hitbox, sans déconner. Ah, je. M'agace. On commence à le connaître. Hein. Mais maintenant je me souviens, hein, j'avais galéré la première fois. Bien attendre qu'elle arrive. Là, je me fais pas baiser. C'est bon.
Bon, là, c'est cassé, du coup. Je peux lui mettre un coup de torche, normalement, hein. Elle me voit pas, là. Bah, bonne nuit à toi, Léa. Et, j'espère te revoir prochainement. Mais une charge. Putain. Il est où l'autre? Il y avait un autre bidon. Bon, je me fais pas avoir, j'utilise pas la torche dans les escaliers. Putain, j'ai les boules de recommencer, évidemment. Pas. Il est où l'autre bidon, bordel de merde. Je peux où il est. Il y a un autre bidon, et sinon il y a... Voilà, c'est bon. Allez, monte. Ouais, c'est bon. Mais non! Ça l'a pas effectué, putain. Comment faire maintenant? Ah, pour ce coup. En speedrun, ils le font en 2-2. Hein. Non, vite, on remonte. Putain, c'est ça en plus, mais c'est chaud. Putain, c'est la baisse, ça m'énerve. Ah, ça m'agace. Ouais. Faut la cramer un certain nombre de fois, je sais pas quoi. Oh, bah, il y a quoi? Il y a deux bidons, il y a deux torches, donc c'est 4, 5, 6, mais... pardon, je parle anglais. Peut-être 7 fois. Ma cigarette marche plus, exprès pour m'emmerder. Difficile, hein? Mon dieu. Puis sa gueule. Je vais baisser le son déjà.
Mais en même temps, le son m'indique où elle est. J'ai besoin quand même du son. Mais ça, les bidons, ils explosent pas. Attendez, je fais un test. Bah non, je fais pas un test. Non, les bidons, ils explosent quand même. Qu'est-ce que je peux utiliser qui peut me servir? En fait, c'est tout con quand on a la bonne technique. Il faut absolument pas que j'aille sur elle. Le coup de lui mettre un... Peut-être qu'on peut lui tirer dessus aussi, hein. Là, ça l'a pas eu, par exemple. Mais voilà, il lui met un coup de pied. Putain. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Allez. Là, je vais essayer de la tenir à distance, genre entre deux passerelles, et tu shootes dans le bidon quand elle passe à côté, ouais. Non, mais parfois, tu sais, t'appuies juste sur triangle, ça lui met un coup de torche, elle prend feu. Mais des fois, bah là, dans les escaliers, encore une fois, ça lui a mis un coup de... Il met un coup de botte, mais non, mais mettre un coup de torche. J'ai ramassé une torche, c'est pas pour mettre un coup de pied. Faut pas essayer de la courser à mon avis. Bah quand elle te court après, si. T'es bien obligé quand même un petit peu, Nictaras. Quand elle me court après, comment veux-tu que je fasse? Non mais elle est tuable très rapidement, hein, c'est sûr. Mais bon, moi je t'assure que c'est pas simple. Là, si je prends un peu de temps, normalement elle crame. Voilà, là elle a cramé. Là, elle va se pointer. Là, c'est bon. Normalement, elle va se réincarner ici. Voilà, là, j'y vais, au dernier moment. J'ai plus de balles. C'est bon, je l'ai eu quand même. Le jeu est pas trop dégueu là. Sur ce coup là. Elle est où? Elle arrive. Elle va se réincarner là dans celui-là. Ça serait bien. Ça ferait nos affaires. Oh putain. J'ai plus d'endurance après aussi, c'est chaud. C'est de l'ambiratique, je m'y retrouve pas. Avec la musique à fond là, je peux pas vous mentir, je stresse. Il est où le troisième là? Il est là, hein. Mais il me file des munitions. Il est où le troisième, bordel? Ah, il est là. Non, c'est celui-là, on l'a déjà fait. Ah, il est cassé celui-là. Non! Je reprends toujours cette arme, j'en ai pas besoin. Enfin, j'ai de la grenade, on peut pas la tuer avec la grenade? Mon dieu, ça doit être inregardable. Je sais pas où est le troisième. Il est là, putain. Trop tard. Il
que j'y pense, il est juste sur la gauche. Faudrait que je l'électrocute. Putain. Attends, je veux voir si ça fonctionne ça. Non, ça marche que dalle. Et merde. Putain. Putain, chialé. Je sais pas comment faire là. Je m'en doutais qu'elle allait réapparaître en hauteur. Ouais, mais c'est, je vous ai dit hein. Pas simple, c'est pas un jeu simple. Puis elle hurle. C'est les hurlements qui me gênent le plus. En même temps, j'ai besoin de savoir où elle se trouve. Bon, sinon, je peux essayer de la... Il y a des balles partout. Hein. Essayer de la gérer autrement. Elle arrive de par là. Non, elle va être en haut. Là, c'est bon. Putain. Là, on va la cramer une seconde fois ici. Mais elle est Mindtalky aussi. Putain, il a pas de balle. Et il faut que je recharge. Mais quel con. C'est le dernier qui est difficile. Je l'ai pas eu. Merde. Putain. J'y crois pas. Elle est difficile. Non mais c'est assez compliqué là quand même pour moi. J'ai pas souvenir quand même d'avoir commencé autant de fois. Est-ce que la question c'est pourquoi ils nous donnent des munitions? Bah c'est pour tirer sur les éléments en fait.
On se souvient qu'il y a un bidon là. Main toi. Ah, j'ai tenté, hein. À un moment donné, faut tenter un peu la chance. Pas morte, putain. C'est bon. Je l'ai baisé. Ça vous plaît? Oh. C'est moi qui l'ai fait. Qu'elle allait, qu'elle popait dans le truc en bas. Je l'ai vu. Je me suis dit à chaque fois, je dois faire un truc mal. En fait, elle me suit pas. Quand j'arrive près du dernier incinérateur, en fait, elle pop à l'intérieur. Donc c'est. J'ai tenté, mais c'était ça. En fait, c'était le dernier à chaque fois que je me faisais avoir. Mais oui, il fallait la voir deux fois avec les torches, deux fois avec les bidons. Par contre, j'ai soufflé un coup. J'ai même pas vu. Fallait où j'aille. Où. J'ai pas regardé où il fallait que j'aille. Bim. Puis la bim glitch, elle pop. Oui, non mais... non. Your suffering will be legendary. Ah, merci. Silanso. 7. Allez, dis bonsoir à Silan. Le chien te salue. Je pense qu'il faut qu'on reparte par là, tout simplement. Bon, je suis pas mécontent, hein. Mais de toute façon, je suis pas un bon joueur. Mais s'il y a un truc, c'est que je suis vraiment têtu. Hein. C'est ce qui me sauve à chaque fois. Hein. J'abandonne pas. Rentrez. Le dossier du sujet évoque un retard de développement ainsi que des problèmes de communication, de cognition sociale et de comportement répétitif. Bonsoir à toi, Silanso. Bienvenue. La généalogie évoque une forte sensibilité aux stimuli extérieurs, avec capacité d'adaptation. Serais-tu ce que je cherche depuis toutes ces années? Et juste sous mon nez. Incroyable. Ça ne fait plus de doute. Il est bien... compatible. Il parle de l'albinos, là? Bien l'impression, hein. Oui, c'est ça. C'est notre habit, l'albinos. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, mais c'est superbe. Quoi donc? Déjà pourquoi? Mais ça rien marche, ça. Ça n'a rien fait. Attendez, c'est quoi ce délire? J'ai que 5 balles. Bon.
Oui, j'ai pas besoin du sous-titre pour me dire. J'ai quand même du shotgun, ça va. On n'est pas. Allez, je le crame lui. Ah non, faut le retirer, oui, voilà, je me souvenais plus. Oui, parce que Silenzo, c'est un New Game Plus. Mais c'est un New Game Plus que j'ai pas fait depuis. Enfin, la première fois que j'ai fini le jeu, il y a un petit bout de temps, quoi. Donc je me souviens pas de tout. Malgré les speedruns que je regarde, les mecs vont tellement vite que je me souviens plus de ce qu'il faut faire. Bah, je pense que celle-là, c'est bon. Bon, bah écoutez. Silenzo, je suis désolé. Je commence à 20h30 à chaque fois. Moi je vais m'arrêter là. Tous les soirs je commence. Tu viens de t'abonner donc je te dis un petit peu. Tous les soirs je stream à 21h30. Voilà. Donc là ça fait 1h30. Je vais m'arrêter là. En plus, comme ça on commencera sur le chapitre suivant. Puis en plus là Nyctaras va aller se coucher. Il y a ma femme aussi qui part. Vénus. Ah, tu veux bloquer au chapitre 6. Alors peut-être que je pourrais t'aider. Pas sûr, mais j'ai déjà fini le jeu. Et en quoi t'es bloqué? En deux mots là, est-ce que tu peux me dire? T'es sur un boss? Ah oui, en plus, oui, voilà, on arrive au chapitre 6. Donc ça va être parfait. Tu bloques sur un boss ou sur une vague d'ennemis? Voilà, la sauvegarde est faite. Je me suis fait une petite. J'ai mis la petite save. C'est vrai qu'on arrive au chapitre 6. Au chapitre 6 là. Je dois tuer un gars à la tronçonneuse, mais pas. Ah, t'as plus de balles. Ouais. Ça, c'est le problème de ce Survival Horror. Il est très Survival Horror. Tu vois, Nyctaras, tu doutais un petit peu, mais c'est quand même assez tendu. Si on tire un petit peu à côté et tout. Là par exemple, pour la dernière phase, il me restait 3 balles de shotgun. Bon, bah, j'ai utilisé les 3, quoi. Donc, on peut vite se retrouver dans la panade. Mais bon, je crois qu'il y a toujours moyen de bidouiller. Alors c'est vrai que si t'as plus aucune munition, bon. Eh ben je vais voir ça. Donc il y a un mec avec une tronçonneuse, je me souviens plus, dans le chapitre 6. Écoutez, je vous dis à tous à demain. Hein. J'espère que tu seras là, si l'un de ceux, si ça te tente. On va essayer de se le faire, ce mec à la tronçonneuse. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis je vous souhaite une excellente nuit. Je vous dis à demain et je vous laisse sur mon excellent générique de fin. Allez, tchuss. These things trouble me the most. I
want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. Possibly, maybe, decidedly, I will persist.